Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Saint-Pierre-des-Corps, à proximité de Tours, où va se juger dans quelques minutes l'arrivée du 65e Paris-Tours, la dernière classique en ligne française de la saison. Que se passe-t-il en ce moment sur la route à quelques 14 km, alors que Gilbert Lariaga vous montre des images d'hélicoptères? Un groupe de 16 hommes partis à 40 km de l'arrivée, c'est-à-dire au moment où nous traversions la ville de Cigogne, la bourgade de Cigogne, dans l'Indre-et-Loire, à 40 km du parc des expositions de Tours. 16 hommes sont partis. 16 hommes où il y a évidemment, et vous ne serez point étonné si vous suivez de près le cyclisme, une majorité de Belges. Car n'oublions pas que dans cette course, les Belges font la loi depuis plusieurs années déjà, puisque le dernier vainqueur français n'est autre que Albert Bouvet. Et Albert Bouvet, il faut remonter à 1956 pour le voir premier sur la ligne d'arrivée ici à Tours. Il faut dire aussi que le tracé était quelque peu différent, il a été modifié depuis ces dernières années et nous avons une route un peu plus sinueuse qui favorise un peu moins les routiers sprinteurs dans les derniers kilomètres, une route que nous allons emprunter tout à l'heure avec les coureurs, mais une route qui quand même sourit aux hommes en forme, ceux qui sont capables de tenir 285 km au rythme du Grand Braquet, car c'est une course ultra rapide. Pour l'instant, la moyenne générale est de plus de 40 km/h. Le record, le ruban ne sera pas battu, mais il faut tout de suite, puisque nous sommes dans le cœur du sujet avec les hommes de tête, vous préciser quels sont ceux qui figurent justement en tête. Le monsieur qui sert ses cale-pieds pour l'instant, c'est Kind, Roger Kind de l'équipe Ertekant, alors qu'il était précédé ici par Dolman et puis aussi Cadieu. Voilà donc la composition de ce groupe des 16 qui ont pour l'instant 30 secondes d'avance sur un peloton déchaîné à moins de 12 km de l'arrivée. Il y a Dan Guillaume, le français originaire de Tours justement et qui veut ici saluer son arrivée dans son fief. Il y a également Walter Godefroot de l'équipe française Peugeot à surveiller aux arrivées. Il y a le jeune campanaire de l'équipe BIC. Il y a un autre sprinteur, Marino Basso. Il y a Roger de Vlaminck, l'un des grands favoris. Il y a Dolman, le vainqueur du Tour des Flandres. Il y a Hop de Beek, Van Valderga, Verbeek, attention à Franz Verbeek, Cadieu le français, Pellman, Maurice Durie, Kind, Minkiewicz le français, nordiste, Poulain de Jean Stablinski, Gerben Karstens et puis aussi Van Biers. C'est dire qu'il y a donc toute une pléiade, vous l'avez vu, de favoris. Il y a également toute une pléiade de routiers sprinteurs qui attendent le moment décisif pour placer leur pointe de vitesse. Dans ces routiers sprinteurs, nous mettrons aujourd'hui dans ce groupe de 16 Walter Godefroot, Marino Basso, Roger de Vlaminck, attention aux Belges comme Van Valderghem ou Hop de Beek. Il y a aussi Franz Verbeek qu'il faut surveiller aux arrivées et Karstens évidemment. Voilà donc cette composition du groupe de tête alors que nous sommes à moins de 12 km de l'arrivée. Je ne sais pas si nous pourrons suivre justement les derniers kilomètres. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a, vous le savez aujourd'hui, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. C'est Walter Godefroot qui a pris le relais là-bas sur la gauche de la route alors que nous traversons justement une région où il y a des routes assez étroites, une région où la route est quelque peu sombre, vous le voyez, entourée d'arbres et où l'image certes n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être, mais elle va le devenir tout à l'heure lorsque nous rejoindrons les faubourgs immédiats de la ville de Tours. Le 88 que nous venons de passer n'est autre que Minkiewicz sur lequel il faudra compter aujourd'hui. Est-ce que dans ce groupe de tête, les routiers sprinteurs vont réussir à garder la tête, je ne sais pas, à réussir surtout à colmater toutes les brèches, car il y a dans ces 16 hommes au moins une dizaine d'hommes qui n'ont rien à faire au sprint et qui ne peuvent pas se placer. Ils vont essayer évidemment de matraquer, comme l'on dit, de partir dans les derniers kilomètres et de faire la différence avant même l'arrivée vers Saint-Pierre-des-Corps. Voilà Walter Godefroot qui voulait bien évidemment aligner une victoire cette année. Il n'a pas eu tellement de chance. Walter Godefroot qui est devant le groupe de 16, mais rien n'est encore joué, alors que les Belges essayent évidemment de faire le forcing, car ils vont essayer de protéger les routiers sprinteurs, à savoir évidemment Franz Verbeek et puis aussi Gerben Karsten, sans oublier Marino Basso. Trois hommes qui étaient bien placés ce matin sur la liste des pronostics de tous les confrères, trois hommes qui vont essayer, je le répète, d'arriver sur la ligne ensemble, c'est-à-dire d'en découdre au sprint tout bêtement, comme c'est le cas souvent dans ce Paris Tour, la course de la plaine comme on l'appelle, mais qui est rendue difficile aujourd'hui d'abord par la distance de 185 km, cela est le cas dans Paris Tour depuis deux ans et cela fait très mal aux jambes en fin de saison, et ensuite par le vent de face qui a soufflé au cours des dernières heures de course. Je le répète, je ne sais pas si nous pourrons suivre ces coureurs jusqu'à l'arrivée, mais en tout cas, il est certain que nous allons essayer de jongler avec les programmes de façon à suivre ces derniers kilomètres et à passer ensuite l'antenne au Grand Prix de l'Arc de Triomphe, car vous devez être nombreux, aussi bien au studio 102 que devant vos récepteurs de télévision chez vous, à attendre l'arrivée du Prix de l'Arc de Triomphe. Pour l'instant, c'est un Belge qui est parti, je crois que Richard Diot est juste derrière lui. Il s'agit de Roger King, qui a été l'un des meilleurs jusqu'à présent et qui va essayer, lui, s'il fait partie de ces hommes dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne peut rien faire au sprint. Merci. Alors il va essayer de partir dans les derniers kilomètres. Je me trouve, comme vous pouvez le voir, avec l'homme
de tête. Je ne vous reçois absolument pas, moi, ici, avec les échappés. Nous nous répéterons peut-être, je ne pense pas que ce soit malgré tout très grave. Avec l'homme de tête, donc, qui n'est autre que le Belge Kin, qui vient de démarrer à l'instant. Vous avez dû vous apercevoir, Jean-Michel, que le groupe de tête s'était renforcé d'une bonne douzaine d'hommes, dont Guimard. Et c'est Guimard, en fait, qui a produit l'effort pour revenir, alors que maintenant, c'est le coureur de l'équipe Peugeot, Thévenet, qui revient, suivi de Bassot, de Cadieu, de Van Beers et de Mathioda. Voilà, 6-7 hommes en tête avec 50 mètres d'avance sur le reste de ce groupe. Le groupe qui va revenir emmené par les équipiers de Verbeek. Verbeek qui est avec Guimard, avec Bassot et avec Godefroid, l'un des quatre favoris de ce Paris Tour, étant donné que le grand absent de cette échappée, le Belge Léman, est resté derrière avec le peloton, un peloton qui semble maintenant condamné. Je dis semble car la situation évolue très très rapidement depuis une bonne trentaine de kilomètres. Thévenet, là, qui tente de conserver un léger avantage, mais il se retourne et il va être rejoint par Verbeek, par Verstraten, par les coureurs de l'équipe Watness et aussi par Guimard. Guimard qui m'a fait tout à l'heure, dans la dernière difficulté du parcours, une impression assez extraordinaire. C'est grâce à lui si le groupe de tête compte maintenant 28 coureurs. 10 coureurs maintenant qui se sont regroupés avec une centaine de mètres d'avance. Il y a là Godefroid, Verbeek et Bassot, ainsi que Guimard. Les 4 favoris sont là, entourés de 5 autres coureurs. Non, ils ne sont que 9. Oui, 5 et 4, 9. Bassot qui vient de regarder Godefroid. Voici Guimard, Godefroid et Verbeek. Je pense, Jacques Lavion, que tu pourrais nous attarder un petit peu sur ces 4 coureurs là qui sont en queue de ce peloton. Notamment Cyril Guimard, le coureur de l'équipe Mercier, qui va peut-être tout à l'heure nous créer une bonne surprise. Vous savez que dans Paris Tour, aucun Français n'est parvenu à s'imposer depuis 1958, depuis que Bouvet a gagné ce Paris Tour. Cela fait 15 ans qu'un Français n'a jamais gagné la grande classique française. 9 coureurs qui vont être rejoints maintenant dans quelques instants. Attention, Jacques Aviron, par le reste du petit peloton, je pense. Je ne sais pas si Jacques Aviron m'entend, mais il s'attarde sur Guimard et il n'a pas entièrement tort au fond. Guimard qui a compris que ses efforts étaient vains et qui se relève, ainsi que Godefroid qui prend la tête. Mais immédiatement, c'est un démarrage de Kint qui est décidément l'homme de cette fin de parcours. Le 80 ici, c'est Van Linden, suivi de Labourdette, de Vlaminck. Labourdette, le coureur de l'équipe BIC. Derrière Labourdette, il y a de Vlaminck, Van Marck. Nous remontons avec Godefroid, Guimard, Kint, Verbeek, Van Beers et en tête actuellement Verstraten, l'équipier de Verbeek. Vous voyez, à l'énoncé de ces hommes, ce sont les équipiers de Verbeek qui contrôlent la course avec Godefroid. Mathioda, le 10, laisse la première place à Verbeek, précisément. Guimard, il y a là aussi Carstens qui vient de revenir, un autre favori et un ancien vainqueur de Paris Tour. Carstens qui est à côté de nous, là, Jacques Aviron, et qui est l'un des favoris lui aussi. 5 favoris maintenant, je me retourne, Léman n'est toujours pas là. Et je ne pense pas qu'il puisse revenir car les voitures suiveuses sont maintenant derrière ce groupe fort de 27 ou 28 coureurs. Je n'ai pas pu faire le calcul exact. C'est toujours Verstraten qui fait la plus grosse part du travail pour ses équipiers et pour son équipier Verbeek. Swerth, un équipier de Merckx. Merckx qui est, comme vous le savez, le grand absent de cette course. Merckx, le plus grand coureur de tous les temps. Je crois maintenant que l'on peut le dire. Et sans Merckx, dans une course cycliste, tout est possible. Mais même sans Merckx, les Belges sont favoris. Car dans ce groupe de 28 coureurs, il y a plus de 15 Belges qui seront encore parmi les premiers à l'arrivée. Mais il y aura tout de même Bassot et Guimard, là, juste devant vous, pour les inquiéter tout à l'heure sur le circuit de Tours, là où se juge l'arrivée de Paris Tours depuis plusieurs années, depuis que les organisateurs
ont été obligés de laisser la côte de l'Alouette qui se trouve sur la Nationale 10 aux automobilistes de plus en plus nombreux, ce qui gêne bien sûr l'organisation des courses cyclistes, vous pouvez vous en douter. Un virage à gauche, un autre à droite, la route se rétrécit de plus en plus, vous savez que la fin de parcours est assez dangereuse et assez tourmentée, comme vous le montre là Jacques Aviron. Nous nous trouvons là parmi les derniers coureurs et nous les remontons. Vous pouvez apercevoir la pédalée de tous ces hommes. Le vainqueur de Paris-Tours se trouve maintenant incontestablement là. Chaque favori possède au moins un ou deux équipiers dans cette échappée. Autant dire que le sprint sera très régulier. Étant bien entendu que je suppose que cette arrivée se fera à 28, ce qui n'est pas encore tout à fait sûr. Un homme peut partir dans les derniers kilomètres, cela se produit fréquemment. Vous vous souvenez certainement de la victoire de l'Allemand Chan l'année dernière et celle de Van Springel en 1969. Ces deux coureurs étaient arrivés détachés. Verbeek, Passo, Guimard, Van Tighem, Hoptebeek, tous des Belges sauf Guimard et sauf Passo. Guimard là qui contrôle d'une belle façon ce Paris-Tours. Guimard qui est depuis le Tour de France un autre coureur, un coureur complètement changé. Alors que nous venons de franchir le panneau indiquant les 5 derniers kilomètres, le voici Cyril Guimard, le Nantais. L'un des grands espoirs du cyclisme français, un cyclisme français qui promet beaucoup depuis maintenant une ou deux années avec la venue d'une nouvelle vague emmenée, vous le savez, par Ovion. Ovion qui est le grand absent de ce Paris-Tours. Si Ovion avait été belge, eh bien, il aurait été au départ de ce Paris-Tours. Revenons à la course avec les favoris en tête. Le 10, c'est Mathieu Dat. Le 56, c'est Van Rosbroek. Le 76, c'est Van Tighem. Et puis, il y a là-bas Swerts, je pense, le coureur de la Molteni. Le 58, Verstraten. Le coureur de l'équipe Mercier que vous avez recevé là-bas est l'équipier de Guimard. Il s'appelle Pellman et il est belge. Pellman qui pourrait être d'un grand secours tout à l'heure à l'arrivée sur le circuit à Tours. Swerts, lui, habituellement l'équipier de Merckx, est aujourd'hui l'équipier de Basso. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais je pense que les initiés s'y retrouveront. En dernière position là-bas, Van Maldergem, le vainqueur, enfin tout du moins le vainqueur moral des 4 jours de Dunkerque, et le 82 Van Tighem. Dans la voiture de l'organisation, vous avez peut-être reconnu notre confrère Robert Silva, l'un des meilleurs spécialistes de la rubrique cyclisme du journal L'Équipe et du journal Le Parisien Libéré, ces deux quotidiens organisant ce 65e Paris-Tours. Vous avez vu Pellman, Swerts, le 43 c'est Van Mark, le 100 c'est Van Biers. En dernière position, le coureur à lunettes, c'est Van Maldergem. Devant lui, Van Tighem. Nous allons, je pense, Roger Falaise, suivre Jacques Laviron et nous porter en tête du groupe pour voir ce qui se passe maintenant, car la course va se jouer dans les 4 derniers kilomètres, car nous sommes à moins de 4 kilomètres de Tours. Guimard, toujours en tête avec Verbeek, avec Passo. Le 13, c'est Campaner. Campaner, Guimard, Verbeek. Campaner qui pourrait profiter du marquage des grands pour tenter une échappée, c'est ce qu'il fait, mais Godefroot a compris le danger et Godefroot se lance à la poursuite de Campaner. Campaner, le coureur de Demeure et de Christian Larrasse de l'équipe BIC, l'ancien champion de France des amateurs. Tous les hommes commencent à se surveiller, à serrer leur courroie de calepied pour le sprint. Mortensen, là que vous montre Jacques Avillon, devant lui Basso, Guimard, Pellman, Guimard qui se trouve dans la roue de Pellman, il a raison de se placer pour le sprint déjà. Cyril Godefroot qui se retourne, il y a là Verbeek qui se lance à la poursuite de Van Mark, je pense, un coureur de l'équipe Flandria. Là-bas, un coureur de l'équipe Flandria, oui, c'est bien ça. Qui doit être Dolman, non, nous sommes un peu loin, mais je crois que c'est Dolman. Et Guimard s'est lancé à la poursuite de Dolman. Dolman qui est le vainqueur du Tour des Flandres, vous en souvenez peut-être. Le voici Cyril Guimard, suivi de Verbeek, de Basso, de Kint, de Godefroot, de Mortensen. Tous les grands hommes de la course sont là, sauf encore une fois Eric Léman qui est avec Basso.
l'homme le plus rapide des pelotons. Une descente très très dangereuse, là, les coureurs roulent à plus de 60 à l'heure, ils sont en file indienne et nous approchons de l'arrivée à Tours qui doit être maintenant à moins de 3 km. À nos côtés, Roger de Vlaminck, toujours aussi à l'aise, Roger de Vlaminck qui en cas d'arrivée au sprint sera battu par Basson et par Godefroid et qui devrait peut-être profiter du marquage des grands pour tenter une échappée alors que Verbeek là est marqué par Quint. Verbeek qui pourrait enfin épingler son nom au palmarès d'une grande course. Verbeek qui est incontestablement le full leader français qui s'est classé depuis 2 ans parmi les 10 premiers de toutes les classiques sans exception du calendrier international. C'est incontestablement le roi des classiques au classement par points, mais il n'existe pas de classement par points hélas pour Verbeek. Spellman que vous avez vu en tête est toujours ce groupe de 25 coureurs environ à moins de 3 km de Tours. La route s'élargit, je pense que les sprinters vont pouvoir enfin se placer. Nous allons franchir tout à l'heure le Cher sur le grand pont tout neuf de Tours avant d'entrer sur le circuit où va se juger l'arrivée de ce 65e Paris-Tours. Un Paris-Tours qui aura été moins animé que celui de l'année dernière, mais qui permet tout de même de retrouver en tête les meilleurs. Les meilleurs, car nous avons là 5 des 6 favoris, étant bien entendu encore une fois que le numéro 1 du cyclisme international, le Belge Eddy Merckx, n'est pas là, et qu'on l'a beaucoup senti dans la course, que le patron du cyclisme professionnel n'était pas là. Spellman, l'équipier de Guimard, mais Guimard est un peu loin, me semble-t-il, de son équipier Spellman. Derrière Verbeek, il y a là aussi Van Malderghem, Godefroid, Basso, Van Beers, les coureurs de Maniflex, là, le 76 Kim, dont on parle beaucoup depuis le début de ce reportage. Attention, les falaises, ne nous laissons pas surprendre par les coureurs. Un démarrage de Swerth sur la droite de la route, Jacques Aviron. Swerth qui est l'équipier de Basso. Vous voyez, les équipiers, ceux qui se savent moins vite que leur chef de file, tentent de provoquer une décision et de placer leur patron en bonne position pour le sprint. Un sprint que vous allez suivre dans quelques minutes maintenant et dans moins de 2 km. Alors que nous pénétrons maintenant sur le circuit de Tours, nous nous trouvons ici même à l'endroit où l'année dernière le Hollandais Jan Janssen avait été victime d'un accident assez grave. On avait craint beaucoup pour la suite de la carrière de Janssen, mais le Hollandais s'était fort bien remis. C'est encore un absent là de ce groupe de tête avec le Belge Léman. Un démarrage là-bas du Français Campaner, encore un. Décidément, Campaner se montre à son avantage dans cette fin de parcours. Campaner, Swerth, Verbeek, Godefroid, Basso, Van Marck. Il y a là aussi Dolman, Carstens. Voici Campaner en tête, là, juste devant Swerth. Swerth, le numéro 34. Oui, c'est bien ça, l'engagé de la dernière heure. Le Basso, là, le 27, qui vient de serrer ses courroies de quel pied. Et là-bas, à droite, un démarrage d'un autre coureur de l'équipe IC, Labourdette. Alors que nous passons le panneau indiquant le dernier kilomètre, attention Jacques Aviron, il vaudrait mieux maintenant carrément nous porter en tête de la course avec Labourdette. Attention, c'est très dangereux là, un virage très sec, des bottes de pas qui j'espère ne serviront pas. Voici l'entrée du circuit de la foire de Tours et toujours les 25 hommes ensemble. À droite, là, Roger Palais, je pense, nous ne gênerons beaucoup moins les coureurs et nous pourrons voir beaucoup mieux ce qui se passe en tête de ce peloton. Il y a là-bas, très loin devant nous, un coureur de Maniflex, suivi de Verbeek, de Van Malderghem, de Mathioda, de Godefroid, de Basson, de Schwerz. Les coureurs sont en file indienne et cela va de plus en plus vite, 500 mètres de la ligne d'arrivée. Attention, Roger Palais, nous allons essayer de décrire le sprint. Si je ne peux pas le décrire, eh bien, je le laisserai ce soir à Jean-Michel, mais je pense que nous allons pouvoir nous porter au coup aux côtés des deux hommes là-bas. Il y a Verbeek, il y a aussi Van Malderghem, et je vous laisse Jean-Michel le soin de décrire ce sprint, je pense, car nous allons être coincés par les coureurs d'Allemagne. Oui, eh bien, écoutez, moi je me lève quant à moi car la ligne d'arrivée n'est pas loin. Je suis obligé de m'approcher ici et de deviner là-bas à moins de 200 mètres qui, devant Tighem qui a essayé de démarrer tout à l'heure, va être rejoint. Je vois le maillot au bras de Marino Basso qui est bien placé. Je pense que Marino Basso va gagner s'il ne tombe pas. Oui, il y a un certain passage là. Je ne sais pas qui entre
Marino Basso ou alors il s'agit de Van Linden, je ne sais pas le numéro 80, ce sera en tout cas une surprise. Basso ou Van Linden, je ne sais pas lequel des deux l'emportera, je vais demander à mes confrères quel est leur avis. Van Linden, c'est Ludo Van Linden qui l'emporte. Van Linden est, vous l'avez vu, c'est une surprise, un jeune garçon, Rick Van Der Linden, qui vient de passer professionnel. C'est la grande surprise de ce Paris Tour. Je crois que nous allons être obligés de vous laisser pour le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. En tout cas, c'est le renouveau d'un garçon en Belgique, Van Linden, très bon amateur et premier grand succès chez les professionnels. Ici, je n'ai pas le détail, Marino Basso doit être deuxième et Guimard dans les 5 ou 6 premiers. Ici, Tour, à vous pour le prix de l'Arc de Triomphe, Studio 102 et ensuite le terrain du champ de course.